Bienvenue sur la chaîne Apitof, merci de me suivre encore une fois sur cette nouvelle petite vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner et puis à liker, hein, et à faire un petit tour sur la chaîne, hein, de cette chaîne d'apiculture. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur quelques astuces ou tout du moins quelques petites fabrications que j'ai faites pour l'élevage de rennes. Donc je vais vous présenter un petit peu cela, ça peut être intéressant pour celui qui voudrait faire un peu d'élevage et puis éviter de faire de grosses dépenses dans certaines petites choses qu'on aurait besoin. Voilà, donc je vais placer un petit peu ma vidéo et je vais vous montrer ça. Alors la première chose que je voudrais vous présenter, c'est cette petite boîte. Donc vous voyez, hein, c'est très artisanal, hein, pas de grands budgets qui ont été dépensés dans cela. Donc vous posez certainement la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une boîte à trésors? Ben, ça pourrait l'être, hein, au final, parce que c'est une boîte que j'utilise pour le transport de mes rennes. Donc notamment des rennes qui sont déjà encagées, prêtes à être envoyées. Donc comme on voit à l'intérieur, on voit des emplacements. Alors je ne vais pas vous donner des dimensions définies, puisque les dimensions, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc moi personnellement, j'ai juste fabriqué une boîte, hein, en polystyrène extrudé, hein, avec un fond des côtés. Et dans cette boîte, eh bien, j'ai un double fond que j'ai adapté. Donc on voit les encoches, vous vous demandez très certainement comment que bah, j'ai fait pour faire cela. Alors, je vais vous montrer avec une petite cagette. Donc les petites cagettes, ça les permet de les encastrer dedans et de les maintenir debout, hein. Donc j'ai fait le nombre d'emplacements que je pouvais avoir. Donc c'est pas compliqué, hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une cagette, bien sûr, qui ne sera pas réutilisable. Et au moment de vouloir faire mes encoches, bah, vous mettez sur une partie dure, vous enlevez le petit ergot ici, là, pour suspendre votre cagette quand vous la mettez dans la ruche. Puis il va vous taper avec un marteau, hein, deux, trois coups, et puis bah, vous finissez, hein, d'enlever... Vous enlevez ce qui a été écrasé, puis bah, vous finissez de creuser, hein, pour permettre bien d'insérer votre cagette comme ça, ce qui vous permet d'en transporter plusieurs d'un coup et dans de bonnes conditions. Sur le dessus, j'ai une mousse qui vient, hein, pour permettre de garder une certaine chaleur, hein, parce que moi, des fois, je récolte mes rennes et elles ne partent que le lendemain, donc j'ai une mousse qui vient sur le dessus, ce qui permet que quand tout est fermé, bien, ça garde bien la chaleur, et de permettre aux abeilles de maintenir une certaine chaleur autour de la reine dans les cagettes. Parce que ça m'est déjà arrivé de laisser une cagette à l'extérieur, et puis bah, le lendemain, tout était mort dedans, parce que bah, j'avais complètement zappé de la mettre dans une boîte au chaud. Hein. Donc c'est important de garder la chaleur si on n'envoie pas des reines tout de suite, ou dans tous les cas, si on a plusieurs reines à introduire dans la journée, bah, essayer de les mettre dans une boîte au chaud. On a aussi à l'arrière juste des charnières, hein, qui sont tout à fait démontables, hein, on voit, hein, ça peut être démonté, voilà, donc rien de compliqué, c'est de la récupération. Donc voilà une petite boîte, hein, toute simple à faire, hein. Moi à l'avant j'ai mis deux vis pour fermer, hop, je mets comme ça et puis bah, ça ne bouge plus. La mousse qui est à l'intérieur permet aussi d'éviter que quand on retourne la boîte ou qu'on ne marche pas, ça nous échappe des mains, que toutes les rennes, hein, se tombent, hein, ça permet de tout caler. La mousse là, je ne sais pas où je l'ai mis, donc je l'ai, elle doit être quelque part, mais bon bah voilà, dans l'immédiat, au moins je vous ai présenté cette boîte. J'ai une deuxième chose à vous montrer, donc là pareil, hein, je vais vous montrer une autre boîte que j'ai fabriquée moi-même. On est toujours un peu dans la même configuration, hein, donc c'est une boîte que j'ai fait en polystyrène extrudé, hein, vous l'avez très certainement vu dans certaines vidéos. Donc là, ce n'est plus une boîte pour transporter des cages, mais là, plus important, hein, donc là vraiment le plus hermétique possible au niveau de la chaleur. Donc j'ai une mousse collée tout autour, une mousse qui s'enlève sur le dessus, et vous aurez tout de suite compris, hein. Là, c'est des cupules vides. C'est pour le transport, eh bien, de cellules royales à introduire en mini plus. Donc là, encore une fois, j'ai fabriqué une boîte. Et j'ai pris un autre polystyrène que j'ai collé sur
suspendu hein, à peu près sur le deux tiers ou la moitié de la boîte, hein, que ça puisse garder une certaine ventilation en dessous et que ça maintienne bien la chaleur. On est sur du polystyrène ici en 3 cm. Et pour creuser, eh bien c'est pas compliqué. J'ai pris un tuyau de cuivre du diamètre bien de soit des porte-cupules, soit des porte-cupules à mettre sur les cadres comme ça. Donc ça permet de pouvoir mettre plusieurs. Donc là c'est une petite boîte, hein. Vous pouvez faire bien plus grand si vous le souhaitez. Le fait est que j'ai pour percer les trous, j'ai juste utilisé un tuyau de cuivre au diamètre légèrement supérieur à celui-là. Alors si je me trompe pas, il me semble que c'est du diamètre 16 que j'ai chauffé avec un chalumeau et j'ai fait mes trous, hein. Alors pour être le plus précis possible, j'avais mis à peu près des emplacements hein, que je souhaitais. Et puis bien comme ça permet d'avoir un transport plus sécurisé pour les cellules royales. Et encore une fois, la mousse que l'on met sur le dessus permet aux cellules de rester bien au chaud et surtout de ne pas bouger pendant le transport. On referme pareil avec un petit fil de fer que j'ai adapté, hein. Donc rien de compliqué, vous voyez, deux petites charnières à l'arrière. Donc si ça peut en aider certains qui veulent faire un peu de greffage et transporter leurs reines, enfin leurs cellules dans de bonnes conditions, bah voilà, vous faites une peu soit plus petit ou plus grand, hein. Donc n'hésitez pas à être inventif comme ça, hein, ça permet de gagner des sous. Hein, des fois on achète des boîtes qui valent plus cher et puis ben, c'est toujours pas donné. Là, vous pouvez compter quoi? J'en ai eu pour 2 euros peut-être à faire ça. Puis l'autre boîte comme ça, pareil, hein, parce que là on est sur du polystyrène extrudé en 2 cm, le côté c'est 3 cm, mais voilà, la mousse c'est de la récupération. Hein, donc moi personnellement je trouve que ça fonctionne très bien. Je préfère être inventif et gagner un peu de sous et mettre les sous ailleurs, hein, notamment pour les traitements, acheter des bons produits pour les abeilles. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire hein, si vous voulez avoir plus d'enseignements. Après, je pense que j'ai expliqué assez correctement ce que j'ai pu faire dans ces boîtes. Après, j'espère que pour vous, votre hivernage se prépare bien. C'est vrai que là, je parle de boîtes pour l'élevage de rennes, mais bon, au moins, ça vous donnera des occupations pour cet hiver, hein, si vous ne savez pas quoi faire. Donc, n'hésitez pas encore une fois à liker si vous avez bien aimé cette vidéo, à vous abonner hein, si vous aimez aussi l'apiculture. Hein, c'est toujours agréable de pouvoir écouter ce que l'on partage entre nous. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Très certainement sur, on m'a déjà demandé une remplisseuse à miel automatique que j'ai au niveau de ma miellerie. Donc je ferai peut-être une petite vidéo sur le fonctionnement de celle-ci, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse aussi de voir dans les prochaines vidéos ce genre d'appareil. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. C'était Apitof. Salut!